Là, je suis en feu là. Quarantaine, vidéo numéro 2. Bon, là, t'as capté, chacal, on est en train de s'ennuyer à mort, à mourir ici. Donc, on va chercher certaines activités à faire au quotidien, tu vois, juste pour faire passer le temps, juste pour que cette journée de quarantaine soit mémorable. Parce que sachez, dans 20 ans, on va raconter de ce moment à nos petits-fils. On va dire, ouais, moi, quand j'étais petit, le monde a barré en couille. Il y a eu un virus qui a enculé tout le monde. Tout le monde était à la maison pendant 2 semaines. Alors là, j'ai pensé à un petit challenge que j'allais faire ici avec ma petite soeur. Viens, viens, viens. Rentre. Mesdames et mesdames, je vous présente. Ouais. Oh, j'ai failli la tuer. Bah, mesdames et mesdames, je vous présente ma petite soeur. Déjà, premièrement, on se ressemble pas, donc pas des commentaires. Il a été adopté. Pas des commentaires de ouais, on se ressemble, Non. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un challenge. Je sais pas si les gens connaissent l'application Voloco. Voloco. T'as trouvé? Application Voloco. Une application sur nos iPhones. Je vais vous montrer ça. Premièrement, l'application va pas payer pour faire cette vidéo là. Donc, c'est pas une option, c'est gratuit. Avec cette application là, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux enregistrer ta voix par-dessus une chanson et rajouter de l'autotune, faire du mixage et ça directement à travers ton téléphone. Mais c'est génial! Toi, tu savais ça, toi? C'est génial! It's genius mingling. Genius tingling. Genius mingling. Alors là, le challenge, c'est quoi? Moi et Sarah, on va faire un concours de qui va faire la meilleure chanson avec cette application. Moi et elle. Ça va barrer en couille. Vraiment, déjà, on sait pas comment l'application fonctionne. On sait juste qu'on peut enregistrer la voix, mais on connaît pas toutes les fonctionnalités. On va se débrouiller. On gagne quoi? Comment on gagne quoi? Si je gagne, je gagne quoi? Ah, j'avais pas pensé à ça. Et moi, si je gagne quoi? On s'en fout, toi, c'est ta vidéo. Comment c'est moi? Non, une conséquence. Ah, une conséquence, c'est chaud, hein. C'est très chaud, hein. Mais c'est qui va voter? Comment on va se recadrer un truc? On a besoin d'une réponse maintenant. Maintenant. C'est pas grave, on va faire, vous allez nous dire ce qui est exclu. Ici, c'est moi qui gagne, elle me donne 50$. Ici, c'est elle qui gagne, je lui donne 50$. Deal. Deal. Corona, Corona. Corona time. On a environ une heure pour trouver l'instrumental, pour écrire les paroles, pour enregistrer et pour faire un petit mixage vite fait là. Capté, deal, elle va aller dans son coin, elle va faire la chanson, j'aurai rien, je vais pas savoir. Et moi dans mon coin, moi je vais faire la chanson, tu sais déjà, voilà quoi, c'est bon. Ouf toi. T'es prête? Ouais, je suis prête. Corona. It's Corona time. Voilà, c'est parti. Alors moi on m'appelle 1$ parce que je suis doublement plus fort que 50 Cent. Moi j'ai grandi dans le ghetto. 50 Cent c'était mon petit frère. Moi je suis allé en tôle pendant 2 ans. Là je viens de sortir et on m'apprend que je dois faire un challenge avec une petite fille là. Elle me connaît pas. Moi j'ai travaillé avec Drake, mon gars du Toronto, OVO, you already know. Shout out Drake. Dans tout ça, votre joint est sous. Il sait pas avec qui il a fait le challenge. Et moi je suis qui? SOS, moi on m'appelle SOS. Moi, quand j'écris mes textes, j'aime ça rentrer en méditation. Rentrer dans la nature et tout, tu vois, méditer un peu de l'environnement autour de moi. Parce que j'aime ça la structure pyramidale du système constitutionnel, tu vois. Moi, je travaille avec Drake, les P. Diddy, les Justin Bieber, les gens qui sont d'ici. Ils disent le challenge. Je sais pas, je suis qui, moi? Moi, d'où j'habite, on vient de la street. On vient de la street, moi, on a passé des nuits, on mangeait pas, hein. Donc, là, on m'a dit que le challenge, le thème, c'est la nourriture. Moi, j'aime pas, même si c'est le thème. Ça veut pas dire que tu dois aimer. T'aimes ou t'aimes pas. D'où je viens, nous? On vient de la misère, nous. J'essaie de transmettre ça un peu dans le son que je vais faire. Il va rien comprendre. Un peu de la sauce, ok, rajoute un peu de la sauce. Comme je vous dis, j'ai travaillé avec Dr. Dre et tout. Quand ils ont signé 50 Cent, à la base, ils devaient me signer moi. Mais ouais, Dr. Dre, je lui ai dit fuck you parce que moi, je t'aime pas. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui? Toi et moi, on se connaît? On se connaît pas. On se connaît pas. Non. On enregistre sur la cuve de toilette parce qu'on va drop une merde. Moi, je gagne ça. Moi, je gagne ça, c'est sûr. Là, on fait des ad-libs là. Ouais, c'est bon. 1$ dans les bacs. Coupe. Laissez-moi un peu. Moi, je dois écrire un peu un texto là. Vous comprenez? Parce que, ouais, moi, je suis meilleur écrivain qu'Eminem. Vous allez rien comprendre. Hein. C'est bon. Coupe. Ah, bien écrit de ouf. Sûr. Sûr à 100%. Toi, t'es sûr? Moi, je suis prêt. Je suis prêt pour. Certain. Je connais pas ma plume. Hein. Crème sûre. Mmh. Parfait. Chanson numéro 1. Bah non.
dollars sans taxes. 10h du mat, je me réveille, puis tu le sais, j'ai trop la dalle. J'ai rien mis dans le ventre la veille, je fais ce plaisir à madame. On m'a dit, fais attention à ce que tu manges, que tu vas finir bien gros. Que moi je m'en fous, je vais juste travailler, je veux partir en McDo. Ferme ta bouche quand tu manges, donne la sauce sous tes frites. Prends des frites, prends des sandwichs, puis rajoute du ketchup au-dessus. Prochaine fois que je t'invite au resto, on partira en McDo. Yeah, yeah, au McDo, viens, on part en McDo. Yeah, yeah, au McDo, viens, on part au McDo. Yeah, yeah, au McDo, viens, on part au McDo. Ferme ta bouche, viens, on part au McDo. Sinon, c'est toi que je gifle, bien, 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 bien dans le dos. Tu te réveilles le matin, tu sors bien de ton lit. Tu veux prendre ta douche, mais tu repenses à ta vie. Tu t'en vas travailler, tu démarres la voiture. Mais tu dis fuck my life, car t'as trop de courbatures. Rajoute un peu de la sauce, 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 rajoute un peu de la sauce. Ouais, rajoute un peu de la sauce, rajoute un peu de piment, rajoute un peu de sel. Ton riz est un peu sec, vas-y, juste mets-y de la sauce. T'as juste besoin de la sauce, t'as juste besoin de la sauce. Yeah, 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 yeah. Ok. Aussi que ça, ça va, j'aime bien. Bref, c'est pas à nous de juger, c'est à vous de juger, Chacal et Tantine. Mm-hmm. Donc, dites-nous en commentaire lequel des musiques vous avez le plus aimé. Si c'est elle, dites quoi? SOS. Et si SOS. C'est moi, dites $1. Dites SOS aussi. Si c'est moi en commentaire, dites $1. $1, SOS. $1. SOS, je veux dire. Oh mais c'est tout pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, Chacal et Tantine. Si vous avez aimé la vidéo, tu laisses un pouce bleu ou jaune. Vert. Ça m'a les couilles. Si t'as pas aimé la vidéo,